Cuisiner à la maison est-il plus sain? L'alimentation sociale est devenue une tendance de base dans la société américaine. Nous ne choisissons plus de sortir avec des amis sans avoir une incursion dans les repas préparés par d'autres. Nous sortons manger dans des fast-foods et des restaurants somptueux, commandons des plats à emporter, grignotons des hot-dogs et du pop-corn dans les cinémas et mangeons du poulet et des frites dans les bars sportifs pendant le match. Manger est devenu un tributaire de la socialisation, une sorte d'acolyte. Et pourtant, il est communément admis que les personnes qui cuisinent à la maison ont tendance à consommer moins de calories, moins de glucides, moins de sucre et moins de matières grasses que celles qui cuisinent moins, ne cuisinent pas du tout. Préparer des repas à la maison vous permet de contrôler vos portions et de réduire la tentation de trop manger.